Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode commenté de votre Let's Play sur Luigi's Mansion 2 HD. La dernière fois, on avait démarré, eh bien, le dernier manoir à la recherche du dernier fragment de lune noire, les amis, et on s'est arrêté, eh bien, en plein centre du hall de ce dernier manoir avec notre ami Todd, qui nous avait indiqué qu'il allait falloir retrouver un second Todd. Les amis, on va voir ça aujourd'hui, j'espère que cet épisode va vous plaire, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme à chaque fois, comme à votre habitude, eh bien, à laisser un petit commentaire d'encouragement pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode, donner des astuces, c'est toujours super important, à vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour pas louper les prochains épisodes, on arrive gentiment, mais sûrement, vers la fin du jeu, donc va vraiment falloir suivre les derniers épisodes pour pas les louper, important, bien sûr, et puis... Le petit gagne-pain, vous savez, c'est le petit like, ça soutient et ça aide vraiment à promulguer la série auprès de nouveaux utilisateurs. Donc n'hésitez pas, je parle vraiment comme si j'avais 60 ans. Bref, n'hésitez pas à liker, j'ai une rude journée, ok, ça va. Bref, écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si jamais vous kiffez. Alors, on avait récupéré Todd, hein, n'est-ce pas, voilà. Et il nous a indiqué à présent eh bien, qu'il faut aider le Todd retenu dans l'explo polaire. Alors très bien, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que j'ai deux trucs? Étage 1 machin. Alors c'est marrant parce que du coup c'est le Todd. Bah voilà, écoutez, c'est tout simplement le Todd. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est pas du tout par là qu'il faut passer. Dans le dernier épisode, on était passé et puis j'avais dit ah mais il y avait une porte aussi en haut à gauche que j'avais laissée. Et en fait bah voilà, la porte elle arrive, elle est là. Est-ce que j'aurais pas pu peut-être utiliser? C'est pareil, on y va derrière. Donc tout ça on a exploré et on va aller voir au fond, en haut là, puisque la dernière fois on n'avait pas utilisé ça. On était parti à droite. Voilà, et on n'avait pas été voir au bout. Mais ça se trouve, en fait, on pouvait pas aller voir au bout. C'est pas impossible qu'on pouvait pas. Voilà, ici, on n'avait pas du tout été voir. Donc, ah. Ok, on le chope directement. Oh, il est dur. Vas-y, viens. Attention, on va essayer vite de le récupérer. Il est parti avec Todd. Non, c'est bon, il est là. Et le deuxième. Je l'ai vu. Il est là. Ok, on y va. Alors aussi j'ai vu des gens qui m'ont dit mets des petits à-coups, ça marche bien. C'est vrai que regardez les petits à-coups ça marche plutôt pas mal. Alors ça m'a peut-être été proposé depuis tout début de la série, mais je ne l'avais pas fait, voilà, ok. Très bien, et alors, hop, donnez-moi des cœurs, c'est parfait. On en avait presque plus ici à présent. Et est-ce qu'on peut y rentrer? Oui. Alors, l'autre Todd serait là-dedans a priori. Expo polaire. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans, déjà? J'ai le Todd qui est là, ok. En fait, je pense que je peux les faire dans le désordre. Je sais pas. Je sais pas du tout. On a ça que je peux aspirer directement. Qu'est-ce que ça va faire? On rappelle qu'on est dans le dernier manoir. Oh, wow. Et que, clairement, les missions sont plus longues. Ça, c'était pas prévu du tout, mais au moins... Alors, déjà, on va récupérer... Attends, vraiment? Je peux vraiment faire ça? Quoi? Mais... Alors ça, je... Ça me dit rien du tout, ça. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Genre, tu... Tu tires une étoile dans le ciel. Tout va bien. Et donc, ça va faire quoi? Ça va me donner une gemme. Il en reste une encore. Ah. Voir un truc là, non? Attends. Ah là. On va la récupérer avant de sauter. Comment est-ce que je la... Comment est-ce que je la récupère? Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je n'en ai absolument aucune idée, tant pis. On bloque sur un truc bête, mais... Je comprends pas. J'ai beau l'aspirer. Il se passe rien. Du coup, je suis de retour là. Mais ça servait à quoi? Attends. À quoi? Alors, il y a plusieurs trucs à récupérer. On peut activer le portail. C'est déjà ça, voilà. Je pense qu'il faut tout simplement... Ah, je peux pas récupérer ça?
Ah. Ok, on a de l'argent là-haut. Prends. Déjà. Comment est-ce que je peux faire ça? Si jamais je refais ça... En fait, le seul truc que je verrai, maintenant que j'ai activé le portail, ce serait de revenir avec autre chose. Notamment... Alors ici, on va voir. Parce qu'en fait, j'ai tout activé sauf un truc. Alors, il me reste une salle à vérifier. Parce que ici, rappelez-vous, j'avais dû ramener le seau, machin. Et donc, il doit y avoir peut-être... On va aller voir. Allez, viens. Non, non, viens, 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 viens. On va finir d'explorer parce que je me demande si en fait c'est l'élément que je cherche. J'en serai pas ailleurs. Parce que là, genre typiquement, j'ai pas été voir là-haut. Ça se trouve, en fait, il y a un truc là-haut qui va me permettre d'y accéder. Dans tous les cas, ça me permettra aussi d'explorer. Voilà, on prend tout l'argent. Ok. Non. Alors, allons-y. Qu'avons-nous ici? Ok, déjà, on a un truc à actionner. Alors déjà, je sais pas si voilà, mais... Ah super, j'ai oublié des trucs. Ok, je sais pas s'il fallait faire ça. J'ai l'impression d'avoir zappé des trucs. Mais je vois quand même cette flamme là. Hein. Genre qui pourrait me permettre de couper des trucs. Enfin de faire fondre de la glace par exemple, au hasard. Donc là, ça me permet de revenir là. Ça, on explore vite fait. Ok. Très bien. Alors, on y va. Allons voir la suite. J'imagine qu'il va falloir éclairer, bien sûr. Comment ça se passe? Et puis surtout, il y a un téléporteur aussi. Je peux pas. Alors, attends, je peux tirer ça. Vas-y, encore. Voilà, le téléporteur est là. Et il va se passer des trucs. Il va clairement se passer un truc, voilà. Bon, ok, je pense qu'on a la solution. Il va falloir, en fait, peut-être qu'on utilise une flamme, la faire passer dans le téléporteur pour aller faire fondre la glace. Parce qu'en fait, je pensais que c'était lié au mammouth, mais le mammouth, ça m'a l'air d'être pour le truc sur le plafond, là. Je pense que c'est pour une gemme, le truc des étoiles, mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à récupérer en aspirant la gemme. J'en ai aucune idée. C'est la merde, là, par contre. Là. Ok, on va faire ça là. Pour l'instant. Alors attendez, je vais faire la mode technique là. Est-ce que c'est vraiment bien? Je suis pas forcément convaincu. Bon, ça dépend, faut voir. Je vais venir ici. Oh! Oh, ça c'était bien joué! Très bien joué en fait, encore mieux même. Ça, j'ai rien à faire. Voilà. Et là, on y va. Bon, bah, voilà. Hop. Ok. On a fait tout le monde. Alors, comment ça se passe maintenant? Est-ce que je peux actionner ça? J'ai tout actionné. Je peux pas récupérer. Mais alors, attends. Revoyons tout. Celui-ci, là, il me mène où, déjà? C'est le premier. Je suis sûr que c'est un truc comme ça. Les portails sont là, forcément, pour ça. Expo médiévale. Est-ce que j'ai un truc là? D'ailleurs, il fallait un livre, ici. Ok, donc, l'expo médiévale me sert à rien. Là où je... Donc l'expo de glace, non. Retournons voir ici. Est-ce que... Ah, est-ce qu'il faut pas que je prenne genre un... une pierre à enflammer, vous savez? Est-ce que j'ai pas... Là, j'ai le seau d'eau. Ah, cela dit... Ok. Allez, c'est bon, ça part.
C'est bon, ça part. Ok, je l'ai. Ah oui, mais alors attends. Ok, il est tombé. Donc c'est bon, j'ai. Fallait le suivre hein, quand même. Hein. Ah, sauf qu'il va plus me suivre, notre ami là. Oh non, je suis obligé de partir avec lui, sans déconner. Bon alors, viens. Viens. Non, je suis obligé. Oh. Attendez. C'est galère. Comment? Viens ici. Viens là. Voilà. Ok, on va y arriver. Je prends ça. Hop. Ok, c'est bon, je l'ai, hein, je pense. Là maintenant, je prends ça. Vas-y, viens. C'est assez technique, mais du coup, on vient là. On va aller ensuite enflammer. Voilà, ici. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est stylé, hein. Par contre, le livre, je sais pas où il est. Hop. Et là. Donc, j'ai bien fait d'un peu tout explorer. Viens vite. Hop. Voilà. Et là, je devrais pouvoir faire fondre, normalement. Voilà. Parfait. Oula, attendez. Y'a ça quand même aussi. Attends, y'a quoi là-bas? Ok, y'a un coffre. J'allais dire. Bizarre. Ok. Sûrement pour une gemme. Non, oh la vache! Oh la récompense quoi! Et du coup, on est bon! Voilà! Fallait un petit peu se creuser la tête, mais en vrai ça va. Oh non, le pauvre, il a froid. Non, il va falloir les ramener. Je sais plus où c'est. Il est adorablement mignon. Délotode, ok. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire, ah bah oui, il y en a deux en fait. C'est clairement ça que ça, qu'il va dire. Alors mon garçon, comment ça se passe pour toi? J'ai fait le point parce que je n'ai pas suivi tes progrès. J'étais en train de... Oh, j'étais en train de chercher des fragments de la lune noire, bien évidemment. Oh, oui. Alors, où sont passées mes lunettes? Au fait, t'as réussi à mettre la main sur mon assistode. Quand tu l'auras trouvé, fais-lui traverser l'écran. Ok. Allez, venez. Venez, on va passer. Ah. Ok. Okay, on va les lâcher, je pense. Et on va... Attends, je voudrais essayer de... Oh, parfait. C'est beau. Voilà, foutez-moi la paix tous. Parfait. Oh, ils ont même ramassé mes trucs. Allez, venez. Viens. Je suis là, viens. On y va. Et donc, à présent... On va être tranquille. Vu que j'ai déjà tout fouillé, normalement, à moins qu'il y ait des nouveaux fantômes qui se manifestent, on devrait être un peu plus tranquille ici. Allez-y, venez. On trouve l'écran qui doit être dans le coin. Ah, bah je sais en fait. D'où le fait qu'il y en a deux, d'accord. Hop, ici. Ah, ouais, d'accord, voilà. Ok, vas-y. Et à présent... C'est moi, boule à facette, prépare-toi, Twist. Il m'a fait peur. Il est en train de tout faire disparaître. Ok, bordel. Ok, l'enfer. Il se passe quoi, là? Raté. Ok, on prend lui. Et ils veulent vraiment pas. On sent qu'on est dans le dernier. Ok, vite. On y va. Allez, vite. Je préfère donner des petits à-coups là parce que. Vu qu'il. Faudrait que je m'occupe du bout d'abord, mais. C'est fait. Ok, go. Ah. Vite, on y va. Par contre, il ne reste plus beaucoup de vie, donc attention. Oh non. J'ai touché, j'étais sur le cœur.
Ça va que j'ai un... Ça va que j'ai un os. Eh, pas simple en vrai. Alors, maintenant on va pouvoir s'en occuper. Bah... Allez, go. Ok. J'ai rien à faire. En fait, il y a plein de trucs différents à faire en même temps. Ok, go. Ok. On y va vite. On va tirer en entier. Ok, ce sera un peu plus simple. Quelle galère! Franchement. On y va vite. Voilà. On tire au max. Ok. On est toujours sur la même mission, hein, rendez-vous compte. Hein. Et... Sur ma vie quand même, bon tant pis pour les petites pièces. Et derrière. Hop. C'est bon. Ça c'était une embuscade assez galère hein, quand même. Ouh. Ok, on recommence. On va y arriver. Hop. Et ici. Non, raté. Reviens là, reviens là, reviens. Hop. On y va. Ok, vous êtes prêts? Cette fois, on est bon. Oh. Quelle galère. C'était quand même... Ouh. Non, attends, me dis pas que c'est... Ah non, je débloque. Ok. La suite. Et là on va être face à l'écran. Voilà. Et la suite du manoir. Parce que c'est vrai que le manoir on l'a déjà bien, bien exploré là finalement. Tout le bas on l'a exploré. Donc là maintenant va nous rester cette porte pour la suite. Alors allons-y en espérant que ça bug pas. C'est bon. Ça va envoyer les deux normalement. Bien. Là, il va m'appeler. On est bon. Alors est-ce que la troisième mission va être la dernière? Non je pense pas. Je devrais faire attention à ce qui se passe sur l'écran de contrôle. Quand j'ai vu deux Todd alors je n'ai entendu qu'un. J'ai vraiment eu peur, j'avoue avoir légèrement paniqué. J'ai réagi un peu vivement. J'ai cru qu'un fantôme avait réussi à se glisser jusqu'ici avec le Todd. Alors je lui ai lancé mon poing dans la figure. Je ne suis plus tout jeune. Mais mon crochet du droit n'a pas dû sa vigueur. Le pauvre Todd qui s'est fait taper. Bah le Todd s'en remettra. D'ailleurs il devrait bientôt arrêter de voir des étoiles. Bref, il est temps pour toi de revenir ici. C'est parti. Allez. Non, je sais pas pourquoi la dernière fois, vous savez, sur le monde d'avant, il y avait eu que trois trucs. C'est grave dommage, mais c'est comme ça. Là, ça m'étonnerait quand même. Alors là, on va pas avoir une bonne note, on est mort. Hein. Ouais, bah oui. Dommage, je m'en veux un peu d'être mort quand même. En vrai, je suis un peu en mode. Ok. Donc, comme ça, au moins, c'est fait. Direct. On est bon. Et on va pouvoir faire l'épisode est déjà bien avancé. Mais on va pouvoir quand même faire au moins une autre mission. Au moins. Je savais que je pouvais compter sur toi. Le début à chaque fois il nous fait rien de particulier. Vous savez. C'est juste l'animation de quand j'arrive. T'es pas très causant mais au moins tu es efficace. Je respecte ça. Quant à moi je ne sais pas comment j'ai pu oublier que j'avais envoyé deux assistodes. C'est vrai que je suis toujours très pris par mes recherches. J'oublie parfois quelques détails. Voilà, et là du coup maintenant il va tout lister. Par contre on a pris 1500 en termes d'argent, c'est pas mal du tout. C'est vrai qu'on gagne beaucoup plus d'argent dans ces zones là évidemment. Mais ça va toujours être compliqué je pense d'atteindre les 20 000. Même à coup de 1500 par mission faut voir mais bon, ça me paraît complexe. En tout cas je suis ravi que mes assistants soient tous les deux sains et saufs. Et oui, qu'est-ce qu'il a? Si j'étais un bon patron je leur offrirais l'augmentation qu'ils méritent. Enfin, encore faudrait-il qu'il soit payé. Bref, j'ai demandé au Todd s'il savait où trouver le fragment de la lune noire. Malheureusement, il n'avait aucune idée de ce dont je voulais parler. Cependant, ils ont remarqué pas mal de passages au premier étage de la maison des collections. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont rapporté une image. Ah, je me demande ce qu'elle va nous apprendre. D'ailleurs, sur l'un des derniers épisodes, on voit passer le roi Bou aussi en fond, là, quand on est sur le téléphérique, vous me l'avez dit en commentaire.
un train à prendre. Let's go. Bon, déjà, c'est pas le dernier, ça va. Luigi, l'image tridimensionnelle que mes assistants ont rapportée avait quelque chose d'anormal. Malgré tout, j'ai réussi à l'ouvrir et nous allons pouvoir l'étudier plus en détail. L'image est très récente, c'est la plus récente enregistrée par le système, voyons ça. Viens voir. Bon, on le voit, il est à droite. Bon, déjà, il y a Mario. On le savait. Bon, décidément, les bouts auront transporté cette chose-là d'un bout à l'autre de la... Non, d'un globule, Luigi. C'est ton frère Mario, comment se fait-il qu'il ait été capturé? C'est terrible, comme dans le 1, bien sûr. Et il est là. Eh, c'est pas un bout ordinaire, mais alors? Le roi bout. Non, d'un microscope! Non, d'un globule. C'est le roi bout, le maître des illusions. C'est lui qui tire les ficelles dans l'ombre depuis le début. Il a donc réussi à capturer ton frère, c'est incroyable. Alors, je me rappelle plus. J'ai un problème de mémoire. Je sais plus si dans Luigi's Mansion 1... Alors, dans Luigi's Mansion 3, je me rappelle même plus, c'est terrible. Dans Luigi's Mansion 1, je me rappelle plus, il y a le roi bout. Mais je sais pas si c'est pas Bowser qui est déguisé en roi bout. Ou c'est l'inverse. Je crois que c'est Roibou qui est l'exemple. Je sais plus. Je crois que vraiment Luigi, c'est les bouts à chaque fois. Cette espèce de méchant, on va voir de quel bon chauffe. Attends un peu que. Oh, Eureka! L'occultographe a détecté un signal paranormal incroyablement puissant. Il provient de la salle de l'expo ferroviaire. Ça rend que des trucs d'expo à chaque fois. Ok. Si on en croit les images du système de surveillance, le Roibou emmène ton frère partout. Puisque Mario est enfermé dans ce tableau, j'imagine que c'est logique. Bref, il est temps de le sauver. Tu dois entrer dans la salle de l'expo ferroviaire. Mario pourra peut-être nous aider à battre le roi bout et à rendre son intégrité à la lune noire. Je m'en rappelle plus du tout, c'est terrible. Oula. Tiens, prends ça, j'ai fabriqué cette hélice pour que tu puisses faire pivoter l'escalier de la cour. Très bien. Il y a vraiment des énigmes dans tous les sens. Hein. Bonne chance, Luigi. Ton frère a besoin de toi. Ah, oh. Ah, brrr. J'adore. How we do. Bien. On continue. Je me rappelle plus la fin de Luigi's Mansion, je sais pas pourquoi. En fait, c'est le concept qui marque, mais effectivement, la fin... Après, le 5, vous allez comprendre. Le 3, ça fait déjà plus de 5 ans que j'y ai fait, hein, donc en vrai, ça commence aussi à remonter un peu. Alors je peux pas tout simplement... Je dois refaire le grand tour. Parce que là, on voit qu'il y a des téléporteurs en haut, mais c'est pas tout de suite, hein. Ce sera donc d'autres salles qu'on va activer. On va revenir là. Hop là. Alors. Retournons ici. Bon, déjà sans les Toads. Moi je préfère qu'on en ait sans les Toads quand même. C'est un peu plus agréable. Où est-ce qu'on met le truc? C'est ici. Alors. Et en fonction, ça tourne dans l'autre sens. Ok. Yeah. Alors. Oui. Hello. Excellent, cet escalier est tout à fait magistral, tu ne trouves pas? Bref, dépêche-toi de te rendre dans la salle de l'expo ferroviaire. Ok. Bah, je te dirai. Du coup, pour y aller... Ah oui, mais attends. Je fais comme ça. Comment je fais? C'est comme ça. Marrant ça. On va l'arrêter. Voilà. Ok. Et donc là maintenant on peut aller dans la salle de l'expo ferroviaire. Voilà, parfait. Comme ceci. Alors, c'est vrai que c'est très grand. On est parti avant tout explorer. Ok, alors évidemment c'est fermé, je vais pas pouvoir. Il va falloir faire le grand tour. Waouh, 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 doucement quand même. Oui, d'accord. Ah, c'est terrible. Oh, les vieux pièges qui me drop là. Attends. Ok, j'ai tout le monde. Vas-y, viens. Allez. Eh bon. On n'a pas fait tout le monde. Je l'ai vu en plus. Je savais qu'il y en aura un autre. Je sais pas pourquoi j'ai pas. Hop. Eux, ils sont pas durs, mais effectivement, ils peuvent être galères un peu. On va récupérer les pièces là-haut. Ok. On a ça en bas. Alors déjà, on va aller actionner un téléporteur ici. Je pense que ça pourrait être pas mal.
Voilà. Faudrait que j'aspire tout l'air de la pièce, ce serait pas mal. Comment est-ce que je fais? Ah, là-haut. Là, si j'aspire... Voilà. On y va. Ça va qu'on connaît. On continue encore. Attention. Oh, il y a pas mal d'ennemis. Attention encore. Allez! Y arriver! Allez! Allez! Tu sens vraiment que t'es à la fin quand même. Hein. Allez mon pote. Non, là. Ok, c'est bon. Oh lui c'est un simple. J'ai plus l'habitude d'avoir des simples. J'ai plus du tout l'habitude d'avoir des simples. Ok, bon. Au moins, on débloque direct un truc. Ça, c'est bien. Alors ça, attends. Ça, je peux tirer dessus, non? Non? Ok. Et là, si je viens là, attends, parce qu'on voit clairement qu'il y a quelque chose. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose derrière, mais... Ok, il faut que je ramène un truc ici. Ouais, d'accord, ça ramène là. Ok, je vais pas le faire tout de suite. Ah, mais à tout moment, c'est pour un truc... Attends. Il y a l'air d'y avoir rien. On va y aller. Il y a l'air d'y avoir rien en dessous ou quoi, plus loin. Ça doit être juste un endroit pour un trésor. Donc, en fait, on va le faire. Donc, on va reprendre ça. Genre une bûche, est-ce que ça suffit une bûche? Je sais pas si ça suffit la bûche. J'avoue que j'ai un léger doute. Non, il y a le seau d'eau, hein, mais... Ah non, il y a pas de seau d'eau, je dis n'importe quoi. Bon, on va dire que la bûche, ça suffit. Hop. On va espérer que ça suffise. Vas-y, viens ici. Hop. Oh. Ah, d'accord, en plus je me fais carrément attaquer par les grenouilles maintenant. Ça suffit. Hop. Mais pourquoi j'ai fait... Attendez, je viens de faire un tour en trou, on est d'accord? Parce que je viens de voir une bûche en bas. Ou alors peut-être que c'était pour plus tard, je sais pas. Je fais n'importe quoi. Allons-y. Et voir, est-ce que ça va? Je préfère le faire maintenant. Je sais que c'est pas la même approche que ce que je fais d'habitude, mais là je me dis, bah ouais, mais là... Je pourrais genre... C'est bon. Ok. Alors qu'avons-nous là-dedans? Pas mal. Et là-dedans, un petit jouet. Ouais, voilà, bon, ok, voilà. Ça valait plutôt le coup, même si, voilà, rien d'incroyable, mais c'est histoire de dire quand même, c'est fait, on est content. Alors, revenons là, on a le truc en dessous, mais je sais pas trop si ça vaut le coup de le faire. Ah, on va dire que ce couloir-là va être dédié un peu à cette mission, donc on va quand même explorer. De toute façon. Ok, bah, de toute façon, je peux rien faire. Écoutez, c'est ok, moi je prends note. Donc, allons ici. Donc, déjà là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a le portrait de Mario qui est là? Non, par contre, on voit qu'il y a pas mal de trucs. Je me doute que la mission est plus longue que ça, évidemment. Ok, il y a des trucs. Là, on a... Ok, je le vois, il est là-bas. Ah, il est là. Alors, j'ai vu, par contre, ça, là. Très important.
Avant ça, je vais juste prendre ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait en hauteur? Je sais pas, j'essaye de voir ce qui pourrait être important là-dedans, mais... Pourquoi me filer des trucs qui me permettent de faire des ballons, normalement? Oh là! Ok. Il veut pas. Ok, il veut pas. Alors. Ah, oh, l'angoisse. On va avoir un truc horrible. Oh, salut, toi! Oh non. Voilà. Et là, maintenant, je vais devoir retourner le voir dans d'autres trucs. Voilà pourquoi il faut toujours explorer d'abord la première salle. Ah, qu'est-ce qu'il me veut? Il va me dire, alors, cours-lui après! Nom d'un globule! Tu ne pourras pas ouvrir le passage secret caché dans la bibliothèque sans ce livre. Je vais tenter de retrouver sa trace avec l'occultographe malgré les interférences. Laisse-moi un instant. Allez, espèce de tas de ferraille, n'oublie pas que tu as été conçu par un génie. Ah, bingo! Je détecte sa présence au premier étage dans une pièce de l'aile ouest. Désolé de ne pas pouvoir être plus précis. Au premier étage dans une... Ok. Eh bah... Donc ça veut dire... Là quoi. Ok, donc il va falloir changer totalement le truc. Ok, donc en fait on est loin d'avoir tout exploré. On va venir là. Non, qu'il faille pousser. Vas-y. Ok. On est parti. C'est beaucoup plus stratégique les missions. Hein. Alors. Couloir ouest, parfait. J'en ai marre, en plus genre je le sais, mais... Dans tous les cas, je vais aller activer le téléporteur, comme ça au moins. Ok. On a lui qui est là. On va le récupérer. On a lui qui est là-bas, je les vois, donc autant les faire. Comme ça au moins. On est bien. Ok. Alors déjà, allons actionner ça là. Attendez, je m'occupe de un truc à la fois, mais d'abord... Ok, raté. Pas grave, recommençons. Je voulais absolument les petites araignées. Dans ma tête, j'étais en mode... Ah, trop bien! Ok, alors, qu'avons-nous? Expo spatiale. On va tirer là-dessus dans tous les cas. Voilà. Donc ça au moins c'est activé. Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Ok, bah il est là. Il est stylé. Oh! Il m'a téléporté. Waouh! J'adore ce boss. Ok, il est en train de m'envoyer des étoiles. Ah mais ça fait comme... Ok. Ok. Est-ce qu'il faut que je fasse un truc genre... Est-ce que ça veut dire qu'il est là derrière? Attends. Là. Ok, c'est bon. Donc c'était ça, fallait vraiment attendre le bon moment en fonction des étoiles. Oh, quel dommage. Je viens de faire un truc dommage là. Allez, vas-y, vas-y. Voilà, on continue. Wow. Ok. Ok. Il est là. Ok, go. Allez, faut qu'on tire direct. Allez, presque mort. Encore un coup. Attention, parce que j'ai pas beaucoup de vie non plus.
Ok, vas-y, viens là, tranquille. Super. Ok, voilà, parfait, là, on est bien. Encore un coup. Ok. Toujours pas. Ouh là là là. Attention. Ok, c'est bon, on le tient. Allez, on le termine. On l'achève. C'est bon. Oh là. Ouh. Du coup, il va me rendre le bouquin. Parfait. Voilà. Alors, on va pas explorer le reste de l'aile. Parce que je me dis, ce sera peut-être pour de futures missions. Au cas où. Donc là, on va juste revenir comme ça. Surtout que je peux pas le passer n'importe comment, donc ici et là. Ah oui, mais vu que c'est des portes, non. Si. Ok. Alors attends, il y a deux choix. Nous, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va le sortir. Voilà. Non. Non, ok, j'ai compris. C'est pas comme ça. Je peux le laisser là. Le laisser là. Voilà. Normalement, il est censé rester en évidence, le truc. Et donc là, maintenant, je reviens là. Pas besoin de faire le grand tour. Je viens là. Voilà, c'est bon. Je reviens là. J'ai eu très peur. Il était derrière un pilier. J'étais en mode, non, vraiment. C'est bon. Ok, on y est. Alors, à présent. Bon, on a le train, là. J'ai clairement vu qu'il y a quelque chose. Hop, on y va. On va essayer de le choper direct. Ok. Ok. Faut pas que j'hésite à plus tirer si jamais... Ok, go. Raté. Ok, go. Vas-y, on essaye encore. Lui, il faut vraiment que j'essaie de me le faire. Ok, go. Et très vite. Ah! Ils sont tous en train de... Oh, bien ça. Allez, encore un coup. Et là, lui, on va pouvoir le faire. En fait, des fois, les petits combats comme ça dans des zones restreintes. Là, c'est pas mal, là, regardez. Là, je tire. Hop là, je le fais venir, ok. Ouh. À présent. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des bouts. On a le tableau de Mario, ok. Ils sont... On dirait que c'est en zoom, c'est trop bizarre. Trop bizarre. Est-ce que c'est un monde spécial? Je me rappelle plus du tout. Est-ce que c'est un monde spécial? Hello. Alors Luigi, qu'est-ce que t'as vu? Ah, est-ce que t'as aperçu Mario? J'aime bien les couleurs et tout sur les noms. Nom d'un globule, il faut que tu rentres là-dedans, mon garçon. Je suppose que tu ne sais pas comment t'y prendre. Je me trompe, t'en fais pas pour ça. Je crois que j'ai une idée. Je te ramène ici. Ok. Ça va. Du coup.
Du coup, on est pas mal. On va pouvoir attaquer, je pense, la mission suivante. On aura très probablement pas le temps de la terminer, mais bon, j'ai envie de dire que c'est devenu un petit peu monnaie courante là sur les derniers épisodes. C'est pas très grave. Parce que là, on a fini la mission 3. Donc je pense que... Ouais, on va pouvoir attaquer la 4. Je vais me baser sur le fait qu'il y en aurait 5. Ouais, on pourrait possiblement finir... possiblement finir lors du prochain épisode. Prochain ou celui d'après, on verra. On va pas se presser. T'en fais pas mon garçon, on va retrouver ton frère. En y réfléchissant, son tableau pourrait valoir une petite fortune aux enchères. Oh, je plaisante mon garçon, je sais qu'on a besoin de lui. Allez, montre-moi. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Tant il y a 7 missions à ce manoir-là, je sais plus. Ok, 14 000, bon, c'était pas terrible. Au moins, c'est fait. Alors, dis-moi, t'as remarqué la petite caméra dans la maquette de l'expo ferroviaire? Je vais essayer de régler le télépixelisateur pour t'envoyer directement à l'intérieur. Bien sûr, ce sera dangereux. Très dangereux même. Je ne l'ai jamais utilisé avec une caméra si petite. C'est ce qu'on dit, la chance sourit aux vieux grincheux. Je ne suis pas un perdreau de l'année, et j'ai parfois un caractère un peu difficile. On a donc toutes les chances de notre côté. Ok, bah go. Donc c'est-à-dire qu'il peut me miniaturiser. Ah mais alors... En fait c'est fini? Bah non, on n'a pas exploré tout le château. On est d'accord. Est-ce que c'est genre, ils mettent ça comme un boss pour te faire croire que c'est le boss? Mais c'est pas le vrai combat final. Peut-être même qu'il y aura le roi Boom, mais c'est, pour moi c'est pas le vrai combat final. J'ai du mal à y croire en tout cas. Luigi, tu tombes bien. Ça n'a pas été facile, mais j'ai fini par y arriver. J'ai connecté le télépixelisateur à la caméra miniature de l'expo ferroviaire. Et le fameux signal paranormal que l'occultographe a détecté est toujours aussi puissant. Ça ne peut être que le roi Bou. Il n'a pas l'air décidé de quitter la pièce. Je pense qu'il prépare un gros coup. Le connaissant, ça ne peut être qu'un mauvais coup. Le moment est donc idéal pour passer à l'offensive. Nous bénéficierons de l'effet surprise. Il n'aura aucune chance. Ça ne s'attendra jamais à te voir sortir de cette caméra miniature. T'es prêt, mon garçon? C'est maintenant ou jamais. Rends-toi sur place. Sauve Mario et profite-en pour capturer le roi Bou. Bonne chance, Luigi. Sois prêt. Attends, mais c'est vraiment la fin? Bah, si c'est la fin, ok, hein, mais ça m'étonne. Non, non, on n'a pas exploré le nord et tout du truc, on a très peu exploré l'aile ouest. Alors, à moins qu'il fallait que je le fasse. Je pense pas, vraiment que 3 mondes plus là. Non, pour moi, c'est une sorte de combat d'arène, tu crois que c'est un boss et tout, mais en fait, pas du tout. Alors, est-ce que le roi Bou est le boss final? Je sais même plus. Pour moi, là, c'est un combat spécial. Hein. Alors, surprenez le roi Bou et sauvez Mario. Peut-être faire le... Peut-être faire le roi Bou, hein. Je sais pas, on va voir. Ok, alors. On est parti. Ça, toi, ça me rappelle un peu les. Dans le premier. On va devoir affronter les bouts. Surprise, tu t'attends à voir quelqu'un d'autre? Et oui, c'était un piège. Et oui, c'était ça, c'était bien ça, voilà, je me disais bien. En fait, ça me rappelle dans le premier Luigi's Mansion, vous savez, quand on est dans le berceau du bébé. Ça me rappelle un peu ça. Ça manque de ça, je trouve, d'ailleurs. Eh ben non, alors l'asperge, je suis super balèze et je vais te réduire un maximum. Pourquoi ça passe tout seul? Bon, tant pis, j'ai pas eu le temps de tout lire. Mais ouais, ça manque peut-être de boss un petit peu iconique. Vous savez, comme ce qu'on pouvait avoir... Oh. Comme ce qu'on pouvait avoir à l'époque... Ah dommage, j'ai failli. Comme ce qu'on pouvait avoir à l'époque dans le premier Luigi's Mansion, ça manque un peu. Mais ça va. Après, c'est lié au côté... Enfin, il y a des boss, mais... C'est lié au côté... Hop là. C'est lié... Ok, c'est moi qui l'a touché. C'est lié au côté 2D. Hop. Enfin, pas 2D, pardon, c'est lié au côté console portable, excusez-moi. Je suis en perturbance totale, là. Ok, go. Et là. Ok, j'en ai plein d'autres.
Ok, vas-y, c'est reparti. Normalement, on s'en sort pas trop mal. Est-ce que ça a marché, ce qu'on a fait? J'espère. Une, deux, trois. Ok. Donc là, on y va. Ah. Ok. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. On va faire ça. Parce que là, au final, j'arrive pas vraiment à les aspirer. C'est ça qui m'étonne, vous voyez. Et ils reviennent ensuite. Donc je peux faire ça longtemps. Ah non, ils changent de pattern, ok. Ok. Vas-y, viens. Attention. Ok. Faudrait que je les compte pour voir s'il en reste plus ou moins. Ça sert à quoi ce que je fais là? Ah, il faut peut-être que je tape dans le truc. Il faut peut-être que j'essaie de les envoyer aussi sur le... Je sais pas. On va réessayer. J'ai l'impression que si, hein. Ah mais oui, je les vois, ils sont dans le train. Mais oui, je suis bête. C'est bon, je viens de comprendre. Ok, raté. C'est un combat qui peut être long. Pour les envoyer, pour les... Ok. Ok, c'est ça, voilà. Mais oui, en fait. Non, je regarde pas assez. Ok, super. Je vais essayer de... Go. Voilà, mais oui, voilà, 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 voilà. Ok. Ouais, donc il en reste encore pas mal, ok. C'est juste pas simple, mais là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Attention à ma vie, quand même. Ah, j'ai raté. Oh là, ça va être dur. C'est dur. Parce qu'en fait, j'ai pas forcément toujours assez de place. Faut que j'arrive à anticiper. Là. Ok. Ça me drop de la vie. Et là, du coup... Allez! Elle est ratée, vous voyez? À chaque fois! Bon, j'en envoie un à chaque fois, mais c'est pas terrible, hein! Alors, attention. Ok. J'essaie de le faire atterrir au milieu à chaque fois. Un. Deux. Ok, ça me drop des cœurs. Oh non!
Ok, et dehors. Ok. Ok, bon, c'est pas mal. J'en ai envoyé deux. Petit à petit, ça descend. Allez, on tient le truc, là. On tient le bon truc. Deux. Alors là, ça peut le faire, mais... Ok. Encore des cœurs. On fait ça comme ça. Allez, c'est pas mal, là. Oh, nice. C'était beau. Allez, plus qu'un. Ok. Allez. Ah, il veut pas. Oh. Alors, peut-être. Oh, non. Horrible. Il restait rien. C'est affreux. Il reste tellement rien. Ah, ils veulent pas. Ah, mais de toute façon, en fait, il se reformera pas vu que. Ben oui. Oh non. Il pourra pas se reformer. Puisqu'il est tout seul. Donc c'est bon, on a gagné. Faut juste que j'arrive à bien l'envoyer. Oh, c'est pas possible. Allez, les gars, s'il vous plaît. Non mais quoi? Attends. Ça servait à rien, il allait me lâcher. C'est bon. Ouf. Oh. C'est fait. C'est bon. Voilà. Ouh, c'était pas simple. Une chose est sûre, Luigi, le fantôme que tu as affronté n'était pas le roi Boo. Ça, non, nous voulions le prendre par surprise, mais en fait, c'est nous qui avons été surpris. Enfin, il me semble que tu sois sorti indemne de cette embuscade. Joli travail. Mario n'était pas là, n'est-ce pas? T'en fais pas, nous finirons bien par le retrouver. Pour le moment, tu devrais rentrer. Parfait. Bah voilà. Nickel. Donc ça va. Je suis content de ne pas vous avoir laissé sur ce faux suspense. Parce qu'on aurait pu se dire, ah machin, et puis en fait, non, ça me semblait étonnant quand même. On n'avait pas, quand analysé, on n'avait pas tout regardé. Et puis alors, ce combat me dit vite fait quelque chose. Ce combat, je dois l'avouer, me dit rapidement quelque chose. En fait, on n'aura rien eu. Je pense qu'on a été très mauvais parce qu'on a mis du temps à le comprendre. Je pense qu'on a été très très mauvais sur ce combat, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir réussi. C'est fait. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Bah écoutez, on va voir ce qu'il va nous dire, mais je sais pas si le prochain combat sera le dernier. Moi, je me dis, il reste une zone, vraiment le nord du château à explorer, plus un peu vite fait les côtés, mais j'aurais pu déjà les fouiller, mais on va dire, reste là, l'aile nord du château à fouiller. On a activé tous les téléporteurs, et ensuite le boss final. Donc il nous resterait une cinquième mission, parce que là c'était la quatrième officiellement. Une cinquième, et ensuite le boss en 6 comme à chaque fois, sauf le manoir des glaces, donc ça pourrait coller. Luigi, tu vas bien mon garçon? Et ça va, hein. Ça va, hein. Alors. On est parti. Voilà. Oui, bah, c'était catastrophique. Je n'arrive pas à y croire, le roi Boo s'est joué de nous. J'aurais dû me douter que c'était un piège. Je suppose qu'il a réussi à pirater mon système de surveillance. Il aurait modifié l'image pour t'attirer là-bas. Et on s'est jeté droit dans la gueule du loup. Je t'avais bien dit que les boues pouvaient être de véritables fauteurs de troubles. Bref, en tout cas, ceux-là ne sont pas prêts de revenir nous embêter. Comme ils étaient prisonniers à l'intérieur du train, j'ai pu les télépixeliser tous ensemble. Tous les voyageurs ont gagné un aller simple pour la chambre forte. Mais l'heure n'est pas à la rigolade, nous n'aurons pas de répit tant que le roi Boo sera libre. Je me demande comment il a fait pour s'échapper de ce tableau. Et oui, parce qu'on l'avait attrapé déjà dans le premier. Je n'aurais peut-être pas dû le vendre lors de mon dernier vide-grenier. Et ben voilà. Bref, repose-toi un peu, mais pas trop longtemps, ton frère compte sur toi, mon garçon. Bon. Et ben voilà. Ah, c'était déjà le niveau 4, voilà, donc faire le niveau 5. Qui serait du coup... Voilà, chaos paranormal, mais qui donc n'est toujours pas la fin. Eh bien écoutez, c'est là-dessus qu'on va se laisser donc pour ce nouvel épisode de Luigi's Mansion 2 HD. J'espère que ça vous aura plu. Est-ce que le prochain épisode sera le dernier de ce let's play qu'on avait dit, hein, qui ne serait pas extrêmement long, une petite semaine, 15 jours, voilà, d'aventure? Eh bien, peut-être. Là, je pressens qu'on arrive au bout, peut-être la prochaine fois, dans un ultime épisode, avec, eh bien, la fin du manoir et le roi Boo qui nous attendra au bout. On
verra. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rien louper de ce prochain épisode qui promet vraiment d'être vraiment très cool. N'oubliez pas de commenter, dire ce que vous avez pensé de l'épisode et donner des astuces si vous en avez. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker cet épisode. C'est le nerf de la guerre et ça soutient énormément. Merci à tous, on se dit à très vite, c'était Sifano. Bye.